Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archange Lion. Donc, du nouveau, je suis passé en 14.2, c'est ça? Ou 15.2? C'est 15 ou c'est 14? Ça doit être 15. 15.2, excusez-moi. De ce fait-là, j'ai changé les shaders, j'ai changé tout ce qui pouvait être changé, et donc vous allez voir, il y a des fois des petits problèmes. Par exemple, les bannières, là, regardez, elles clignotent. Donc, ça, c'est un souci de mon nouveau Swartex, certainement. Bon, pour autant, j'ai avancé sur le projet. Je vais vous montrer. Hein. Donc, on va y aller. On va arrêter les blabla. Attendez, je prends mon petit épée quand même. Donc, comme vous voyez, les lanternes, elles ont changé. Donc, ça donne plus du tout pareil. Donc, là, voilà. J'ai fait premier changement. J'ai repris l'entrée. D'accord? Donc, les champs, voilà, c'est toujours du Swartex. Hein. J'ai trouvé plein de shaders et tout le reste, notamment shader que j'aime bien là, qui donne des reliefs. Donc j'ai pris le nouveau shader Continuum et le Revolveville, enfin non, le Realistico. Vraiment, ils sont sublimes et ça donne vachement bien. Donc voilà. Donc ça, vous l'aviez vu lors du dernier épisode. Donc, chose aussi que j'ai changé sur les côtés. Va falloir que je refasse tout le tour et que je mette des lanternes. Des 6 lanternes. Alors vous allez voir, là ça fait pas terrible, mais alors la nuit, qu'est-ce que ça pète? Et donc je suis en train de travailler un peu sur un relief que je pourrais aussi mettre là. Donc voilà, le rempart commence à monter hein, quand même. Donc comme vous voyez, il y a encore pas mal de trucs à faire. Ici, j'ai agrémenté, et ça sera le sujet un peu de notre épisode, de la porte d'entrée. Donc voilà. La porte d'entrée, elle ressemble à ça. Attendez, hop. Donc j'ai fait aussi des angelots, mais en fait les angelots, ils m'ont... Je suis pas au top avec le design. Je le trouve pas beau. Mais c'est bête, hein, parce que j'aurais adoré réussir à faire des anges. Alors après, peut-être qu'il faut que je parte sur ce que je faisais à la base, comme je les faisais à la base. C'était pas terrible, mais peut-être que ça rendrait mieux. J'en sais rien. Là, je trouve qu'ils sont trop grands. Pour moi, ils sont vraiment... trop grand. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ce système. Donc c'est l'entrée, hein, c'est le portail d'entrée. Donc une herse, toujours avec du bois, du birch, donc du bois. Donc voilà. Alors évidemment, j'ai continué, donc j'ai fait ici un escalier descendant, avant de m'apercevoir que c'était peut-être pas la meilleure option. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse de plus haut. C'est-à-dire que je fasse encore un étage au niveau du rempart pour que les gens, quand ils arrivent, ils soient tout en haut. Ils voient ils dominent toute la ville. D'ailleurs, on va y aller. Hop, hop. Pour voir vraiment le haut des bâtiments. Parce que là, en fait, on arrive au pied. Et on va arriver au pied de tous les bâtiments. On verra rien. Après, d'ici, c'est vrai qu'on aura déjà à peu près une idée des toits, des machins, enfin, mais comme c'est des cathédrales et tout des trucs comme ça que je vais faire, bah ça risque d'être limité parce que notre champ risque d'être plus au niveau des murs qu'au niveau des toits. Donc, de ce fait-là, est-ce qu'il faudrait pas que je m'arrange pour que les personnes qui arrivent ici continuent à monter le long d'un escalier qui les amène sur le rempart supérieur? Et après faire un escalier qui redescende le long du rempart. Ça peut être une idée. Je réajuste mon casque, excusez-moi. Parce que sinon, là, à ce niveau-là, on va être au niveau des murs, quoi. Et on verra rien, on n'aura pas d'envergure sur... Or, je veux vraiment donner cet aspect d'arriver à Norlando, là, quand on est amené par les gargouilles la première fois. Et voilà. Donc c'est hyper grand par contre, hein. Je pensais franchement pas que c'était aussi grand. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur c'est fait aussi, hein. J'ai fait toute la muraille extérieure et intérieure sur le premier étage. Je suis en train de galérer sur le deuxième étage à chercher des patterns. Donc là actuellement je suis sur une idée, mais il faut que je casse en fait, c'est pas bon. Donc voilà, voilà un peu où on en est là actuellement. Si je me mets de l'autre côté, est-ce que ça va donner? Hop. Donc, hop. Si je passe ici. Donc voilà. Comme vous voyez ici, il n'y a pas encore les 6 lanternes. Il va falloir que je le fasse. Il faut que je fasse tout le tour. Il
Par contre, en interne, on les a tous. Alors, je vous dis pas la nuit. La nuit, ce que ça rend, mais c'est sublime. Pareil, hein, le shader, le changement de shader et puis de texture pack fait que il y a des nouvelles nuits, il y a une nouvelle gestion de la lumière et tout le reste. C'est vraiment très beau. On a des couchers de soleil maintenant. Donc, le soir, en fait, on voit le ciel se dégrader vers un coucher de soleil orangé. C'est vraiment sublime ce qu'ils ont fait comme travail. Swartex, franchement, et pareil, j'ai l'ancienne version de Realistico parce que bah, je crois qu'il faut payer pour la nouvelle version. Hein. Je crois qu'à chaque fois, il faut donner 3 euros. Si c'est pour qu'à la fin, on remette plus de prix de texture pack que le jeu lui-même, ça vaut pas le coup. J'aurais bien voulu essayer le RTX, là, la version Minecraft RTX, mais bon, pour l'instant, 1, j'ai pas la carte, et 2, comment dire, on peut pas ramener notre monde sur... Faut aller sur des mondes préfaits, donc pour l'instant, j'ignore, parce que ça sert à rien, autant que je reste avec mon système à moi. Voilà, trêve de discours, on va peut-être se mettre à bosser et on va commencer pas plus tard que maintenant. Donc comme vous voyez, grande herse, ça faites pas attention, hein, ça va certainement dégager à un moment ou à un autre. Normalement j'aurais dû en faire encore 3 ici et 3 angelots encore là-bas, donc ça en fait 9. Et après j'aurais voulu en mettre aussi sur les murs, mais le problème c'est que c'est hyper grand quoi, c'est trop grand, c'est trop grand. Donc tant pis, voilà. On va pas chercher à comprendre, hein. on va faire comme ça. Voilà. Bah, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, ben mettez un pouce, dites-le, parce que ça encourage aussi à me lancer. Alors c'est encore un projet de dingue. Donc voilà. Bon, alors ici on commence, tout se fait en grès. D'abord, dans un premier temps, on va faire la première arche. Et après on va remplir avec. Donc ça c'est du grès. Donc ici vous avez donc des escaliers, vous avez des blocs, vous avez aussi 6 lanternes. J'aime bien mettre des escaliers aussi parce que ça permet de faire des petits reliefs comme ça, des petits trous. On pourrait imaginer que des cordes passent par ces petits trous pour essayer de récupérer. Alors ici la herse, elle va augmenter encore de 2 parce qu'il y a une différence de 2. Sachant que la herse n'est jamais levée à maximum. Là elle est simplement levée pour laisser passer les gens. Si jamais il y a besoin, boum, elle redescend. Et le but étant d'en faire une deuxième qui donnerait sur la ville. Comme ça, ça permet aussi, dans le cas où la première on n'a pas le temps de la ressortir et qu'il y a quelques personnes qui passent, d'avoir quand même scellé la deuxième. Donc ça fait une protection. Ici on fermera, ou alors on mettra quelque chose pour permettre de tirer sur les ennemis si jamais ils sont bloqués au milieu, parce qu'il y aura toujours une partie des ennemis peut-être qui passera et qui sera bloquée au milieu, donc autant les achever. La deuxième herse retiendra, et il y aura toujours la deuxième herse pour contenir encore plus. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée roleplay. Là, ici, pareil, on va commencer à mettre les blocs. Alors, si j'ai bien compris, sur le... Alors attendez, je vais regarder, hop... Ouais, voilà, ici c'est que... Hop, non, évidemment c'est pas ça. Oui, d'ailleurs il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, excusez-moi. Bon, avant de nous lancer vraiment dans le machin, on va aller là. Donc voilà, j'ai fait ça, et en fait, maintenant, évidemment, je me suis planté, j'aurais pas dû passer par là. Désolé, hein, c'est vraiment brouillon, mais vous allez comprendre. Comment on arrive dans le rempart? On arrive par ici. Donc ici en dessous, alors je sais pas si je vais pas rajouter des 6 lanternes pour essayer d'éclairer ce système. Hop, voilà. Ici on ouvre. Tac, tac. Et donc on peut remonter par ici. Il y aura des trappes, voilà. Et la trappe vous permet de remonter ici. D'ailleurs, bah, tant qu'on est là. Hop, je me mets là, je ferme. Je vais pas aller dormir tout de suite. Je vais vous montrer un peu ce que... Voilà, vous voyez, ça c'est un coucher de soleil. Je trouve ça vraiment sublime. Regardez comment il est travaillé. Avant, c'était pas comme ça. Avec en plus la mer, c'est sublime. Et là-bas, c'est... Oui, voilà, il y a aussi la lune. Oh là 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 là, j'ai tellement de trucs à vous montrer. Donc ça fait partie des nouveaux textures, hein. C'est le Sortex, hein, je l'aurais. Regardez un peu la lumière, comment elle est gérée. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Sincèrement, c'est impressionnant. J'ai l'impression de redécouvrir... voilà, regardez. Et là-bas, ça s'amenuise au fur et à mesure. Et la lune monte. Et la lune change régulièrement. Hein. Il y a des nuits où c'est tout noir, il y a des nuits où elle est à moitié pleine, où elle est totalement pleine. Enfin, c'est impressionnant. Bon, on va dormir un petit peu. Hop, voilà. Et là, pareil, le soleil, c'est pareil. Lever de soleil. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Franchement, ce jeu me tue. Ça, j'ai jamais duré aussi longtemps sur un jeu et je m'en lasse pas. Je m'en lasse absolument pas. C'est, il y a toujours les nouveaux textures pack. Je suis même pas sûr que c'est le dernier hein, que j'ai. Sincèrement, c'est impressionnant. Donc, on en était où? On en était là. Tombé amoureux d'un jeu. Moi. Hop, taillé. Donc, tac, tac. Tac, voilà. Donc là, on a notre arrière, d'accord. On va faire pareil de l'autre côté. Hein. On pose les bases simplement. On va pas s'énerver. Donc les bases ici, tac, tac et tac. Et donc ça tombe juste bien. Ça tombe juste avant le comment on appelle ça, le pont. Vous inquiétez pas, j'avais calculé. Donc vous voyez, ça, la pilasse là, c'est cette pilasse là. Et donc en fait ici on a bien les trois, ici on va bien avoir les trois, surtout faites bien attention à ça, hein, parce que sinon vous allez faire un votre pont et il manquera des blocs. Bon après s'il manque des blocs entre temps c'est pas grave, mais si par contre votre pont arrive ici, là c'est plus problématique pour vous, parce que vous allez devoir composer. Bon après c'est Minecraft donc on bidouille à chaque fois, mais voilà, enfin, faut mieux prévoir. Donc ici c'est pareil, il y a des escaliers, hein, c'est les pieds en fait, des colonnes, donc les colonnes centrales qui seront en grès. Par ici, on a une deuxième. Donc vous voyez, on se retrouve dans cette configuration là, ici et ici. C'est non, pas ici, excusez-moi, ici. Donc ici c'est pareil, on va poser là et on va poser ici. De ce fait, on commence à essayer de choper le grès. Alors c'est du sculpté. Sculpté, j'en aurais plus besoin. Sculpté, j'en aurais plus besoin. J'ai besoin de grès par contre. Hop hop hop. Et le grès je n'en ai pas. Tac tac tac. Ouais. C'est mal barré ça. Hop. Bon, je vais aller chercher du grès. C'est tout l'intérêt d'avoir mis à côté quelques coffres. Et de migrer avec les coffres au fur et à mesure. Donc, hop, ça, j'en aurais pas besoin. Je peux les mettre là en attendant. Voilà. Ici. Hop, on remet là. Donc voilà. Ça c'est du vrai grès, hein, c'est ça. Hop, si je regarde. Ouais, c'est ça. Donc ici ça va monter. Ici ça va monter. Alors ici, comme vous voyez, entre temps, en fait on a l'impression qu'il y a deux herses, mais il n'y en a qu'une. De toute façon, si elle doit descendre. Si on ferme la herse, c'est bien qu'il y a une raison et qu'il y a un ennemi. Donc automatiquement, autant que ce soit une herse totale. Voilà. Donc ce serait stupide de la couper au milieu. Hop. Hop. C'est ça que j'ai fait. Attendez, je me suis peut-être trompé là. Non, non, je suis bon. Hop. Et hop, voilà, c'est ça. Donc on revient là, on va, tant qu'on y est, faire ça. Alors ici, mettre une porte, ça n'aurait pas d'intérêt dans le sens où ça permettrait à l'ennemi de pouvoir casser la porte et de passer à travers, et de ne pas être bloqué. Donc ici on fermera certainement. Soit on fermera, soit on mettra des barrières en bois, permettant de passer des lances ou quoi que ce soit, si jamais il y a des gens bloqués là, de pouvoir les achever soit à coup de flèche, soit à coup de lance. Parce que... Le propre d'une comment on appelle ça, d'une barrière, c'est enfin d'une herse et tout reste, c'est quand même un point de vue défensif de la ville. Donc voilà, on peut pas laisser non plus l'ennemi passer tranquille ou attendre qu'il trouve une solution pour partir. Bon, j'arrête d'être dans la digression, excusez-moi. Donc ici on va monter, on va commencer à monter tout ça. Donc hop hop hop. Donc jusque 5 normalement je crois, non 6, c'est ça, hop, voilà,
Et encore un là. À partir de là, on va commencer à mettre donc dans ce sens-là, dans ce sens-là. On va revenir ici. Voilà. Donc là, normalement, ouais, je suis bon. Là, je suis bon aussi. On va repartir dans l'autre sens. Alors attention, on va essayer de pas tomber. Voilà. À partir de là, on est ici. Donc ici, on repart avec du grès. Non, je me suis trompé. Tant pis. C'est de la perte. Hop. Hop. Ici, on va mettre le système d'éclairage. Hop. On va remettre le bloc. Voilà. Voilà. À partir de là, on remet un escalier. Donc, en position basse. Voilà. Et pareil pour ici, il faudrait pas que... Voilà. À partir de là, on va redescendre. Alors, où je peux descendre sans trop me faire de mal. Hop, voilà. C'est tout. Je vais récupérer mon bloc parce qu'il n'y a pas de petite économie. Et que je passe quand même assez de temps dans le désert. Pour récupérer toutes ces ressources. Parce que qu'est-ce que ça bouffe comme ressources. C'est impressionnant. Voilà. Alors ici, j'ai peut-être été trop rapide. Hop, on va enlever ça. Alors d'ici, je récupère... hop, non, c'est pas dans ce sens-là, évidemment. Je me suis trompé. Hop, voilà, c'est récupéré. Donc ici, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça. Non, pas ça. Hop, ça c'est du grès taillé. Moi, il me faut du grès, là. Hop, grès. À partir de là, je vise ici et je suis pas dans le bon sens. Quand ça veut pas, hein. De toute façon, faut pas insister, c'est que voilà, c'est vous allez en baver, il n'y a pas à en douter. Hop, l'altérité, l'altérité. Alors, ici, ouais, hop. Je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Je vais remettre un bloc, alors pas taillé, comme ça. Là, je vais redescendre de 1, parce que sinon, je pourrais pas poser mon bloc. Tant qu'on est là, on va manger. C'est impressionnant ce que c'est grand. Mais vous verrez... Enfin, après, on va peut-être aller faire un petit tour, d'ailleurs. Hop, voilà. Là, on récupère. Donc là, on est bon. De ce fait, on a pratiquement fait la moitié déjà. Hein. Alors là, ici, le pilier de milieu, il est un peu particulier. Dans le sens où il va soutenir les deux arches. Donc, voilà. On repasse ici. On repart avec notre grès. Hop, hop. Donc ça fait 3. 4, 5. Là, on est bien à 5. Donc c'est bien 6. Alors pourquoi 6? Je voulais pas faire trop petit, parce qu'à la base j'avais fait, je me suis dit, bah, je vais récupérer un peu le comment on appelle ça, l'arche, vous voyez qui est là-bas, que j'ai travaillé un peu en double, on a fait un peu une, des émissions dessus, je vous ai montré un peu comment le construire, on le voit mieux là. Je voulais, mais en fait ça faisait trop petit, et comme c'est une grande ville, il y a beaucoup de population qui peut passer, moralité je pouvais pas me contenter de petites arches, il fallait une plus grosse arche. Et donc j'ai à force de chercher j'ai trouvé donc 6. 6 vous permet d'être un bon compromis pour dire de faire votre entrée. Voilà. Alors ici, on va essayer de pas se casser la figure. Voilà, c'est bien, on a réussi. Alors ici, comment je le récupère? Je le récupère dans ce sens-là. C'est bien. Jusque-là, tout va bien. Là aussi. J'espère que vous aimez mon contenu. Voilà. Alors, c'est pas de la grosse construction. Hein. Moi, je suis assez humble dans ma façon de construire, dans le sens où j'essaye de mettre des détails, mais voilà, il y a des constructions qui sont quand même plus ouf que les miennes, la plupart du temps. Pour autant, j'ai mon style à moi, je pense. Enfin, j'espère. Parce que ce qui me plaît, c'est de faire les choses à ma façon. Pas obligatoirement à la façon qu'on m'impose. Donc, de ce fait-là, là, je vais devoir déjà commencer à aller de l'autre côté. Donc, hop.
Ici, je récupère. Tant que j'y suis, je blinde, je blinde. Bon, c'est bon. Hop. Donc, ici, on est reparti, on prend le grès. Non, pas la nourriture, le grès. Donc, je pose un ici. Un ici. Je mets ma scie lanterne ici. Et ici. Je repars avec mon grès. Voyez, regardez, deuxième coucher de soleil. Hop, ici et ici. À partir de là, là ici, il faut que je mette ici et ici. À partir de là, on passe, on en a fini avec le grès. Là, on va passer directement sur la gestion de la pierre taillée. Donc pour la gestion de la pierre taillée, c'est simple. Hop, 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 on va descendre au maximum là. Hop, je fais remonter. Alors j'espère que je vais pas me casser la figure. Voilà. Pareil ici. Je vais au plus bas. Je fais remonter. En plus elle est belle. Enfin les blocs sont vraiment très très beaux. C'est très doux la pierre taillée. Enfin le grès taillé en fait. Hop, hop. Donc voilà. Et là, en fait, c'est qu'une partie de la ville. Hein. Là, c'est rien. Ça fait qu'un petit quartier. Le centre, il est là-bas. J'ai délimité le centre pour essayer de voir un peu comment je pouvais faire. Parce que j'ai comment on appelle ça? Un bâtiment central qu'il faudrait que je fasse. Qui est assez important. Moralité, faut pas que je me loupe. Hop, alors ici, on en met un là. On n'oublie surtout pas. Je vais en profiter pour mettre celui-là. Ah bah regardez, c'est une nuit noire. C'est une nuit noire? Ouais. La nuit noire. Voilà. Regardez, il y a encore un petit peu le coucher de soleil, quoi. Ouais, sincèrement, le soir texte est vraiment très très beau. Mais il n'y a pas que le soir texte, hein. Il y a plein d'autres trucs qui sont pas mal. Hop, hop. Hop. Là, ici. Hop. Là, on est bon aussi. Alors. Là, là, là et là. Alors. Regardez cette nuit. Et en fait, on voit plus la lune. La lune est noire. On a bien un système un peu de faisceau, mais voilà. Ok, on est parti. Ah zut, j'ai loupé. On fait dodo. On est bon. Alors, ici. Ici, je vais peut-être casser ici. Hop. On va essayer de rattraper là-haut. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais... Voilà, donc là je récupère mon truc, hop, voilà. Hop. Voilà, ici, j'en récupère encore un, ouais c'est du taillé. Voilà, donc là on a fait un côté. On a bien ce sentiment de rainure qui est ici. On va aller de l'autre côté faire pareil. Hop 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 hop. Alors je casse ici. Je monte là. Taillé grès, hop, ah je me suis trompé, The Truffman, désolé. On va récupérer ça. À la rigueur ça peut être une idée de design, hein.
plutôt que d'avoir trois comme ça qui seraient pareils, vous pouvez. Mais le problème, c'est qu'en fait, le but, c'est surtout de. Ouais, je dis pas de bêtises. C'est surtout de jouer sur le relief, parce que si vous regardez bien, le but est quand même de faire un contour qui est autre que le mur. Le mur est vraiment en. Alors attendez, hop. Hein. Le mur est vraiment en grès, on va le voir mieux par ici. Je fais n'importe quoi. Je vais me casser la figure. Je dois refaire tous mes champs. Vous voyez, le mur, il est vraiment en grès très clair. Et là, vous avez un portail, le pourtour. Bon, ça se voit mal avec les anges, hein, mais qui est vraiment en grès foncé. Donc, ça fait une alternance de grès clair et grès foncé. Et c'est ce qu'on cherche en fait, parce que ça délimite encore plus les contours. Hop, donc on remonte. Alors ici. Bah, tant que je suis là, je vais essayer de régler un truc, parce que en fait c'est vrai que dans le roleplay, ici, il devrait pas avoir. Hop. Donc est-ce que je peux descendre? Oui, je peux descendre. Voilà, je vais récupérer tout le long. Hop. Hop. Donc c'est jusque ici. Là, c'est que du grès. Là, c'est que du grès. Donc normalement, si je lève de 2, ça voudrait dire qu'il faut que ça descende de 2 pour être complètement fermé. Ah bah non, mais c'est bon. Non, c'est bon, parce que si ça descend de 2, c'est que là déjà c'est au maximum. Ah ouais, le problème c'est que si ça descend de 2, il faut que j'en ai 2 au-dessus aussi. Ouais, ok, donc ouais non, c'est pas bon. Hop, hop, hop. Hop. Donc il faut que je monte à 3. Voilà, comme ça me donne au moins une idée. Là, je peux fermer. En fait, ces deux-là, c'est les deux qui nous permettent de passer en bas. Donc quand ça descend. Non, là c'est déjà monté en fait. Non, je me trompe, je me trompe. Bah non, je suis déjà. Ouh, ça devient dur. Donc c'est 1. Non, bah non, donc c'est bon alors. Ça redescend. Voilà. Donc c'est le grand maximum. Donc non, on était bon. C'est moi qui complique les choses pour rien. Hop. Donc on referme. Désolé, hein. En même temps j'essaye de conceptualiser le truc. Je me suis pas trompé d'ailleurs, j'ai bien mis ce qu'il fallait. Là c'est grès et là c'est grès taillé. Ok. On revient sur le grès taillé donc. Et on va continuer en descendant. Hop, voilà. Alors là-haut, hop, hop. Alors ici, on est bon. Là, on est bon. J'ai encore oublié de faire la partie du dessus. Bon, je trouverai un moyen de façon de remonter et de le faire. Quoique. Quoique non, on va aller le faire, parce que vous allez voir, il y a quand même. Faut que je m'appuie dessus en fait. Hop. Et hop. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Ouais, parce qu'il va falloir que je m'appuie pour poser les bouts de bois sur une structure. Et donc c'est cette structure-là en fait. Voilà. D'ailleurs, ici, est-ce que je garde comme ça? Parce que là, on peut tirer sur les ennemis. Est-ce que je le garde comme ça? C'est la question. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Quand vous savez pas, vous faites pas. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à démonter. Quand je saurai quoi faire de ça, automatiquement, je le ferai. Par contre, un truc qui serait intéressant que je fasse tant que je suis ici, c'est, j'ai plus besoin de ça.
j'ai plus besoin de ça. Donc on va installer ça. Et ça. Voilà. Donc là, d'ici, on va essayer de prendre le plus loin possible. Hop, c'est là. Non. Je suis stupide. On avait dit qu'on mettait rien là. Encore qu'on pourrait en faire une troisième de verse. Voilà, ce serait du renforcé de chez renforcé. On va monter ici au cas où au-dessus on mettrait un bloc. Et on va redescendre là, là, là. Le but est d'occulter le passage. En plus, à travers les bois, on peut passer une lance ou des flèches. Hop. De ce fait-là, la torche elle est trop. Hop, on va faire comme ça. Au pire, on partira sur un système. Bon, ça, j'en ai plus besoin non plus. On partira sur un système de rétroéclairage. Hop, ici, ici. Alors ici, on peut faire comme ça. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc voilà, là on voit un peu les ennemis bloqués. J'aurais pas fait pour rien ce truc là. Hop. On va remonter. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop. Voilà. Donc ici on en est où? Ici on a fait ici. On va faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que je pose là, je monte par les petits escaliers. Alors lui il va disparaître. Hop, on va mettre là et là. Voilà. Je repose. Je mange. Voilà. Ici, on grimpouille. Ok, donc là-bas, on avait été l'avant-dernier. Voilà, c'est là. Avant-dernier, c'est là. Et on descend au fur et à mesure. Voilà. Ensuite. Voilà. Voilà. Donc là, on est ok, on a le premier rempart. On a ici où on peut pas partir sur sur les côtés, mais par contre on peut être touché par les adverses, enfin par les protecteurs. Et donc à partir d'ici va commencer donc le travail de Azut. Hop, ici. Voilà. Je monte et à partir de là on va pouvoir commencer à poser. Hop là, et là c'est pareil, je pose ici. Hops. Voilà. On grimpouille. Hop, voilà. Donc là, on peut baisser. C'est vraiment mignon. Encore une fois. Ah bah voilà. Regardez là, maintenant cette fois-ci c'est dans l'autre sens. Tout à l'heure c'était le du bas, et là c'est du haut. Enfin le croissant du bas en fait, et là c'est un croissant du haut. On revient ici. Je vais peut-être aller dormir. Ah zut, bon tant pis. On va casser temporairement, on remettra après. Parce que j'ai pas envie de me taper le tour à chaque fois. Hop, voilà. On fait un dodo.
play. Et on est reparti. Alors, tac, ici, est-ce que j'y arrive? T'es sérieux? Bon, on va remonter. On play. Voilà. Ok, bon, de là. Je pose là. Ici, ici, ici. Je récupère là. On va mettre un peu de ça. Hop. Alors, hop, nouvelle rangée. J'espère que cette fois-ci je pourrai l'attraper de là-bas. Voilà, on est bon. Hop hop. Voilà. 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 D'ailleurs, je suis stupide, j'aurais pu faire baisser plus. Plus. Voilà. Donc là ça doit être juste la hauteur qu'il faut pour la dernière rangée de barrières. Hop. Là normalement ça arrive à peu près à cette hauteur là. Ah bah non, je peux encore en poser un. Ouais, je peux encore en poser un. Hop. Voilà. Donc je peux encore en poser un. Et d'ailleurs je l'avais déjà fait ici de ce côté là. Ouais, et de ce côté là c'est fait. Donc en fait c'est ici il en manque. Non, c'est trop bas. Ouais, alors par contre sur le Swartex, la nouvelle avant, ce qui était bien c'est qu'il y avait une surbrillance noire, vous voyez des lignes à peu près comme ça, mais noires qui se mettaient quand vous étiez sur un bloc. Là maintenant ça le fait plus. Bon, en réalité vous avez beaucoup de mal à regarder. Là par exemple si je veux mettre sur la partie supérieure ou inférieure, je suis plus obligé de me référer à ce bloc là parce que je vois les lignes, qu'à celui-là où je vois aucune ligne. Ça aurait été fait d'un bloc, vous voyez, ce serait pareil. Ça c'est un peu le reproche que je ferais là au nouveau Swartex. C'est que pour construire, c'est pas le plus évident là. Alors je vous dis pas quand vous mettez des escaliers en position haute ou basse, combien de fois j'ai dû flinguer. Vous voyez, regardez, on voit pas les jonctions en fait. Avant, il y avait une petite ligne noire. Dès qu'on arrivait sur le bloc, il y avait une petite ligne noire qui se mettait. Et on savait à peu près où on était sur le bloc. Enfin, où on ciblait sur le bloc surtout. Et ça, c'est hyper important quand vous essayez, notamment comme des blocs comme les escaliers, de les placer, parce que vous avez différentes façons. Vous pouvez placer en position haute, en position passe, à droite, à gauche. Enfin voilà, ça peut changer pas mal de choses en fait. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on a donc fait l'essentiel de notre entrée et de notre hearth. Il y a quelqu'un qui a essayé de me tirer dessus ou quoi là? Non, bah, ça doit être... Non, j'ai rêvé. J'ai dû me poser la question aussi des dents. Alors, les dents, il n'y a pas 36 solutions. À la base, j'avais essayé un truc qui était un coup comme ça. Non, évidemment, vous voyez, c'est ça que je voudrais éviter de faire. Donc, comme ça. Ouf. Ah zut. Ou comme ça. Donc en gros, vous avez un système de dents qui se fait, mais hop, vous voyez, ça fait vraiment, si ça tombe, là, ça vous broie, quoi. Mais en fait, je voulais vraiment un truc dentelé, un truc qui fasse vraiment dangereux, en fait. Genre plus comme ça, en fait, avec des dents qui... des créneaux, en fait. Voilà, c'est ça, des créneaux, je m'explique mal. Là, ça fait pas cet aspect de créneau, c'est pas que ça peut pas faire mal, mais... c'est voilà, ça broie plus que ça perce. Sinon il y avait aussi un autre truc que j'avais trouvé. C'était quoi déjà? Ah, je l'ai fait en plus.
C'était quoi que j'avais fait? Bon, enfin, bref, quoi qu'il arrive, j'ai pas retenu ces solutions-là. Je suis plus parti là-dessus parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment cet aspect de crayon, en fait, dedans. Dedans qui s'enfonce et qui peuvent faire très mal. Donc voilà. Pourquoi j'ai retenu ce design-là? Hop. Hop. Bon, après, évidemment, on vise là. Tac. Tac. C'est bon. Ok. Hop. Voilà. Bon bah voilà, on a refait. Voilà, on a fait la deuxième herse. Au moins vous aurez vu comment ça a été fait. Voilà. Et donc bah ici, ici en gros, on pourra faire tac et tac. Voilà. Quand on arrive, là ça fait vraiment rempart, hein. Rien à voir avec ce que j'avais fait sur le serveur terminal. Là, ça fait vraiment du gros lourd. Et on a bien compris que si on monte à l'assaut et qu'on est coincé entre les deux, il y a plutôt intérêt à se planquer, mais bon, de toute façon, ils peuvent vous avoir de ce côté-ci ou de ce côté-là. Donc vous pourrez essayer de vous planquer comme vous voulez. Vous êtes mort. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. De ce fait, hein, je vais en profiter pour continuer par ici. Alors. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre ça aussi, par contre. Oh, zut. Hop, voilà. Je l'ai. Donc voilà. Donc quand je vous dis que j'ai fait tout le tour, j'ai vraiment fait tout le tour. Voilà. Là. Et quand je vous dis que c'est hyper grand, ben, c'est hyper grand. C'est même vachement plus grand que ce que... Oh non, il m'a pas fait ça. Non, c'est bon. Oh la vache, buggy. Donc là vous voyez, je suis même pas au centre, hein. Le centre en fait, je l'ai défini. Ouh la vache. Ça fait mal. Voilà. Alors le centre, je l'ai défini, il est là-bas. Donc vous voyez, on commence à voir disparaître la porte d'entrée. Donc c'est quand même assez imposant, hein. Mine de rien. D'ailleurs, on va revenir un petit peu. Je vais vous montrer. On a le temps. Je vais pas paniquer. Voilà. On fait ce qu'on a à faire. Donc voilà. Vous voyez, le rempart va augmenter encore d'un petit peu. Et peut-être que je le vous montrerai encore un petit peu en haut, mais virtuellement. C'est-à-dire que ce sera plus des colonnades. En haut, ce sera beaucoup plus des colonnades. D'où on pourra partir dans en Elytra. Puisque, en fait, le thème ici, c'est Elysion. C'est vraiment entre... entre paradis et enfer, hein. C'était un peu le thème que j'avais pris sur le terminal pour dire de développer en fait mon projet. Hop, donc comme vous voyez, c'est hyper grand. Je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Sincèrement, je me suis lancé dans le truc. À chaque fois, je me disais, ouais, tu peux pas t'arrêter là parce que automatiquement, tu n'auras pas assez d'espace pour faire tes camps parce que ça va être des grands bâtiments, hein. Ça va être immense. Enfin, normalement, à la base, ça devrait être immense, à mon avis, ça va se gaver au bout d'un moment, mais voilà. Voilà, si vous regardez bien, vous avez donc de ce côté-là une partie, mais ça continue encore plus loin, hein, l'entrée étant là-bas. Hein. Là, c'est pareil, vous avez, ça continue encore plus loin, ça pourrait être des quartiers en fait. On voit les murailles plus proches, mais en fait, on voit pas les murailles les plus lointaines. Là, ici, si je vais au bout d'ici, bah, on voit même pas apparaître les murailles du bout, ah si, un petit peu. Hop, est-ce que ça fait quelque chose? Ça fait rien du tout. Là on voit donc trois côtés qu'on arrive à percevoir d'ici. Le quatrième étant là-bas, mais on le voit pas encore. Et donc si je monte. Hop là. Donc là on y va. Je vais peut-être respirer un petit peu parce que sinon on va s'intoxiquer. Ouf! Je manquais de tomber. Non. Voilà. Voilà. Donc là, on va aller aux 256 blocs. Parce qu'il fallait que je voie un peu où était le plus haut et comment ça donnait vers le plus haut. Pour savoir si j'allais pas faire une montagne.
une sorte de mont pour on verra bien. Faut que je fasse la construction en fait. Ça s'arrête jamais cette histoire. Oh la vache. C'est où quand même? On va en profiter pour manger. Hop. On va arriver en haut, il fera nuit. Je vais me prendre tous les. Ouf. Alors le problème c'est que là, je serre les fesses là. Hop les. Voilà, c'est bon. Donc voilà un peu l'espace. Donc comme vous voyez, c'est hyper grand. Hein. Et on voit bien les différents. Waouh, je suis in the strat là. On voit bien les différents remparts de part et d'autre. Donc voilà, ça continue par là, ça continue par là. Là-bas, c'est là où il y a l'entrée. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Là, il y a mon camp. Pourquoi ça bruit? Je comprends pas. Là, évidemment, oh, la lune, elle est encore shippeuse. Donc voilà. Voilà. En gros, ce que je peux vous en dire, l'épisode est clos. Je pense qu'on peut se dire au revoir. Je pense qu'on peut se dire au revoir. Pourquoi? Ah, je descends. Ouais, je descends au fur et à mesure. Tout doucement. Donc, voilà. Pourquoi j'ai un côté blanc? C'est quoi cette histoire? Pourquoi mon skin est là? Il a disparu. Ah, c'est peut-être parce que je suis dans l'eau. Non, ça non. Voilà. Non. Bon, sur ces images, on va se quitter avec la lune en fond. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le contenu que je fais vous plaît. Si c'est ça, parlez-en autour de vous. Partagez et likez et puis commentez. Hop, regardez comment c'est sublime. C'est pas beau ça? Voilà. Donc on redescend sur le plancher des vaches et moi j'en profite pour vous dire salut. Allez, bye bye tout le monde. Bah non, j'ai un pantalon blanc là. Pourquoi il y a la moitié de mon skin qui va pas? Bon, va falloir que j'aille voir dans les paramètres à tous les coups. Allez, salut tout le monde. Bye bye.